Hello tout le monde, c'est Akuryu, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode sur Pokémon Jaune. Nous continuons donc aujourd'hui l'Océane pour avancer, pour aller récupérer la CS1 Coupe. Nous en étions donc à cette cabine, je pense. Oui, les deux vieux, ok. Qui ne se battent pas, je pense. Avec la technique Coupe. Vous deux, vous servez juste à que dalle. Donc on va continuer un petit peu parce que je voudrais bien pouvoir aller battre Major Bob pour gagner le badge foudre qui me permettra d'avoir Carapuce. Que veux-tu? Un Pokémon costaud ou rare? Ni l'un ni l'autre. Je veux juste les Pokémon dont j'ai envie pour ma team. Un Caninos. Ouais. Il est bien sympa mais bof. J'ai pas encore le Pokémon type eau donc je vais m'en occuper. Ah. Encore, désolé, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Je crois que ça se débloque parce que le bruit est assez insupportable. Je vais mettre en pause le temps. Oh, suffisait que je le dise pour que ça se fasse. C'est-à-dire, je vais mettre en pause le temps que ça se débloque et puis hop, ça s'est débloqué. Je ne sais pas du tout pourquoi ça bloque. Les mystères de l'informatique, vous allez me dire. Déjà, dans l'épisode précédent, il y avait eu un bug dans le style. Mais bon. Pas trop se poser de questions. Hein. Ponyta. Oh, qu'il est moche. Oh, il est mal fait. C'est abominable. C'est seulement à cause de fichier lourd que je suis occupé à télécharger que ça lag un petit peu de temps en temps. Et non, ce n'est pas du contenu pour adultes, hein, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout du contenu pour adultes, c'est juste un jeu PC qui a été réédité pour PC, qui était sur console à l'époque. C'est un vieux jeu quand même, un des meilleurs jeux que je connaisse personnellement. Frénésie, ça ne m'intéresse absolument pas, mais je vais quand même te la prendre parce que ça t'a... Non. Non. J'ai un petit souci parce que depuis que j'ai commencé l'Océane, je n'ai pas sauvegardé. Oh la boulette. Oh le con. Comment rendre un reptincelle inintéressant? Oui bien mes amis, je vous propose de faire une petite pause au moment où je vous parle et je vais reset le jeu et reprendre la sauvegarde là où j'en étais. Et bien je vous dis à tout vous ne verrez à peine la différence, l'image sera différente mais moi je dois tout recommencer. Donc c'est-à-dire presque une heure de jeu. Vu que j'ai tourné deux épisodes à la suite, donc je vous dis à tout de suite. Les amis, voilà, désolé, j'ai dû faire une grosse ellipse parce qu'en fait j'ai fait une énorme bourde. J'ai, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai effacé Flamèche de Reptincelle. Grosse erreur parce que Flamèche est très utile et n'a que cette bonne attaque là. Donc j'ai dû, j'ai rebooté en fait le jeu. J'ai refait tous les dresseurs que j'ai fait et maintenant, pas faire de bêtises, on sauvegarde. Je vais tout de suite vous montrer un peu ce qu'il y a de différent par rapport à l'autre sauvegarde. Voilà. Alors, ma Reptincelle ici niveau 26 et Pikachu 18. Les autres n'ont pas changé parce que je ne les ai pas beaucoup utilisés. Donc on va continuer dans le thème. Bon, qu'est-ce que tu... Oh, encore une qui m'emmerde là. Je ne t'ai pas vu à la fête. Bah non, j'étais pas, j'avais pas envie de voir ta gueule. Ça, c'est fait, hein. Faut fillette, là. Un rond doudou. Tout mignon, tout rond, tout doux, tout rose, c'est rond doudou. Elle va brûler dans les flammes de l'enfer. Et évidemment, faut que tu m'entraves. Bah, du coup, on va tester ma nouvelle attaque. Ah, c'est. Elle est buggée cette attaque, parce que normalement c'est l'attaque que je viens de lui faire qui doit lui entraver. Enfin, cette frénésie. Est-ce que c'est efficace? Non, pas du tout.
C'est purement de la merde. Ouais, c'est un style mania, mais il faut du temps pour s'avancer. Encore? Bon, vas-y, marque-lui sa tronche. Et voilà, relax, t'énerve pas, mais je m'énerve. C'est vrai qu'avec la frénésie, il s'énerve un petit peu l'autre. Super bon, c'est pas mal. Allez, hop, on sort de là, on continue. Next. Le vieux et la petite gamine. Mon papa et moi, on pense aller au parc safari. Il est génial. Oh, bah, ton papa, il a des... Il est bizarre. Un peu pédobir aussi sur les bords, celui-là. Oh. Deux filles ensemble. Le capitaine avait l'air tout palo. S'en fout, c'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. Ouais, mais pour un capitaine de bateau, il devrait pas avoir le mal de mer. Théo. Régis, salut Akurio. Toi ici, sans blague. Akurio, as-tu vraiment été invité? Bah oui, du con. Où es-tu avec ton Pokédex? Moi j'ai déjà attrapé 40 Pokémon minables. C'est toi le gros minable. Tu vas te prendre une tarte dans ta tronche, tu vas pas te demander, tu vas pas savoir d'où elle vient. Ça va faire de là à de là, tartine dans ta gueule. Un petit clin d'œil à mon petit nain qui m'entend parce que quand j'enregistre cette vidéo, enfin la suite de cette vidéo, je suis en groupe d'amis Xbox Live avec lui, donc il m'entend là au bout du micro. Mais bon, vous l'entendez pas parce que sinon il devrait gueuler dans son micro. Alors, ça n'y a pas reptincelle, hein, parce qu'on a quand même besoin de ce gaillard-là. Griffe-moi ça, allez hop. Piaf avec, on n'en parle plus. Next. Oh, bah niveau 27 en prime. C'est bon, ça. Ratata. Bah, carbonise-le. Niveau 16 en plus, on n'a pas besoin de lui non plus. Au revoir. Oh, il est beau sa belette. Crame-le aussi. Pas de pitié pour cet imbécile. Qui au final ne nous aura pas fait grand chose vu que je lui ai quand même exterminé ses trois premiers Pokémon alors qu'il ne m'a fait que... Pff, allez, 20 points de dégâts. Et son Evoli qu'il a toujours pas fait évoluer. Mais on va le cramer aussi. Hein. Va rôtir dans les flammes de l'enfer. Ah, il est un peu plus résistant celui-là. Bon, on va tester frénésie, on va voir si ça vaut la peine. Hop. Et en fait, elle s'intensifie une fois sur X. Et elle gagne en force à ce moment-là. Mais sinon, ouais. Elle est pas plus intéressante que ça. J'espère que tu vas pouvoir... Non, évidemment, t'as échoué à cause du jet de sable. Bon. Évite-moi ce calvaire. Voilà, t'es gentil. Et voilà, au revoir Régis, tu repasseras hein, à l'occasion. Il est le maître de la technique coupe à bord, mais ce n'est qu'un vieil homme malade et sénile. La technique coupe est très utile. Tu devrais rencontrer Salut Minable. Casse-toi, gros naze. Je viens de te mettre une pâtée. On va pleurer dans les jupons de ta mère. Bleur, je suis pas bien. Akurio masse le dos du capitaine. Ton. Ah, merci, Moussaillon, ça va beaucoup mieux. Un capitaine qui a le mal de mer. GG. Voilà, technique coupe, hein, bah tiens. Mais je suis malade. Je sais, prends ça. C'est la technique coupe. Bah, il était temps. Bon, alors, tout de suite la prendre. Sauvegarder pour ne plus faire de boulettes. En espérant que j'en ai déjà pas fait une ici en la prenant. Alors, Boostiflore. Oui. Et je vais te virer. Poudre de dos, je m'en sers pas souvent. Bon, V
vite sortir de là parce que le bruit est juste légèrement infernal. J'avais remarqué qu'il y avait un escalier que j'ai encore oublié. Je vais aller vite faire un petit tour, voir ce qu'il y a. C'est encore long. Non, ça va, c'est pas long. C'est pas grave, la technique coupe. Oui, mais Osef, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, encore des combats. J'ai pas le mal de mer, moi. Tu sais pas à qui tu t'adresses, toi, gaillard. Tu sais pas à qui tu t'adresses. Ça va faire de là à de là, tu comprendras rien à ta vie. Allez, hop. Je vais te retirer comme un goré à la broche. On va te déguster avec une sauce moutarde, tu vas voir, tu vas être trop bon. Peut-être mettre le Pikachu là pour attaquer. Il faudrait que je me reprenne de quoi m'hydrater moi après. Allez hop, on continue, on continue. Maintenant qu'on a la technique coupe, on va pouvoir aller battre Major Bob pour pouvoir avoir le carapuce ensuite. Les starters de la première génération sont mes trois préférés. C'est vraiment les trois premiers Pokémon en fait que j'ai connus, donc autant de combats vous autres. Et on va mettre au lever l'encre. Toi tu dis quoi? T'es malade. Bah, vomi mais pas sur moi. Toi, toi, t'es juste bon à ça, et copain, tu danses un tango? Non, mais je vais bien t'envoyer valser. Allez hop. Un petit tas de cendres. Ça, c'est à quoi tu vas ressembler après, je me suis occupé de toi. Désolé si vous entendez croquer ma mâchoire, je suis fatigué. Je pense après faire une bonne petite cure de repos jusque demain pour pouvoir retourner des vidéos tranquillement. Parce que oui, j'ai décidé d'en tourner, consacrer ces quelques jours à tourner des vidéos pour avoir du contenu en masse. Pour avoir facile à vous le proposer. Voilà, voilà. Bon. Alors maintenant, centre Pokémon, dépenser un petit peu de sous, et puis direction Major Bob. Lui apprendre le respect et lui montrer qui est le vrai pro. Yop, 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 yop. Au revoir l'océane. Au revoir. Reviens-nous vite. Même si tu ne reviendras pas, je le sais bien. Allez, casse-toi. Tu ne me manqueras pas. Ouais, salut. Bon, maintenant je vais stocker le passe-bateau, il ne me sera plus d'aucune utilité. Vu que le bateau ne reviendra pas. Alors, un Corio.
Ah non, d'abord voir un peu ce que j'ai laissé. La 8, je me rappelle plus. Plaquage, web off, non, je la veux pas prendre. 44C, repos. L'autre là, ah non, ça c'est la CS1 coupe. Bon, donc je vais pouvoir stocker tout ça. Corio. Stockade. Le passe-bateau. La carte sortie. La 8. La potion max, je vais la garder pour quand j'aurai des Pokémon bien plus balèzes. Hop. Ça, la 44. Elle est super bon. Pas besoin maintenant. Allez, on va aller tester Major Bob. Maintenant qu'on a fini l'océan, on va se prendre un petit coup d'adrénaline et on va aller le battre. Alors, one again abyss to fly. On va d'abord te faire mettre un suppositoire, toi, et puis on s'en chargera. C'est parti. Alors, hop. Major Bob, me voilà. Ah oui, c'est vrai, ici, il faut faire ça. Puis ça. Vivement que tout soit automatisé dans les prochaines générations. Ah oui, c'est vrai. On l'appelle le Riquin. Le Riquin survolté. Oula, monsieur Riquin. Arriver jusqu'à lui. Oui, je sais, les deux interrupteurs. Alors, il faut trouver deux interrupteurs en fait dans toutes ces poubelles. Évidemment, il y a des payos qui vont m'en empêcher. Et en fait, le deuxième interrupteur est à côté du premier. Mais ils ne disent pas dans quelle poubelle. Vu qu'il y a à chaque fois 3 à 4 poubelles autour de la poubelle où sera l'interrupteur, il faut que j'ai une chance, j'ai 25% de chance, ou 33%, ça dépend de la poubelle, de trouver le bon interrupteur. Et en général, quand je me gourre, les boutons sont remélangés. Donc ça semble, je vais passer 3 heures à chercher ce maudit bouton. Oh là là, bon. Je vais me débarrasser un petit peu de ce magnéti à la mort ou à le qui me dérange. On craque dans tous les sens. Voilà, niveau 28, ça règle un souci déjà. Bon, un de moins. Si je pouvais trouver les deux boutons d'un coup, ça serait sympa. Non, alors. Non. Coince-toi. Allez. Deuxième ligne. Non. Non. Bon. Donc par déduction, ah ben non. Ok. Donc on a deux chances. On a là ou là en dessous. Allez à Yakta Est. Oh génial. Direct les deux leviers. Bon, on va sauvegarder ici devant le Riquin survolté comme ils disent. Et on va aller lui mettre. Par contre, je vais juste faire un petit truc. Voilà, avoir mon Reptincelle en pleine forme m'arrangera. Il survivra un peu plus longtemps. Bon, allez, à toi maintenant. Je vais garde vous repos. Bienvenue dans l'arène de Carmin sur mer. Quoi? Une demi-portion veut me défier? Tu as du cran, petite tête. Tu veux jouer au lance-flamme avec moi?
un combat Pokémon, c'est pas de la blague. C'est comme la guerre, mon colonel. C'était pas ma guerre, mon colonel. T'es un Pokémon, je vais en faire une boucherie. C'est moi qui vais m'occuper des tiens, mon grand. T'as beau être un champion d'arène, tu n'as qu'un seul Pokémon qui est un Raichu. Niveau 26, si je me souviens bien. 28, bon, à deux niveaux. Allez. Ultima point. Oula, heureusement qu'il a échoué. Oula là, ultima point. Ça risque de faire mal, ça, s'il touche. Ça, c'est pour attaquer en premier. Ça me pose souci. Rugissement, il rate, c'est bon. Ultima point, il touche pas. Ok, c'est cool. J'ai beaucoup de chance sur ce combat-là. J'ai énormément de chance. J'ai envie de dire limite une chance de cocu dès que j'ai fini le combat. Même s'il est 1h au matin. Là, il est, au moment où j'enregistre, il est 2h au matin. Et je vais téléphoner à ma copine, je vais demander ce qu'elle fait. Parce que c'est pas logique que j'ai réussi à le battre aussi facilement. J'ai énormément de chance. Une chance de cocu limite. Donc, j'ai appelé ma copine. Et je vais voir ce qu'elle mijote. Parce que ça me fait un peu peur. Le badge foudre, ça c'est fait. Et on va enfin aller récupérer notre Pokémon type O. Oh, de voler, oui, mais bon, vol je ne l'ai pas, donc la 24. Tonnerre, ah, ça c'est pas mal. Ce sera pour Pikachu s'il ne l'apprend pas. Bon, désolé pour les deux bouseux là que j'ai pas poutré, mais bon, j'avais pas envie de me mesurer au menu frottin. Hop, boostifleur coupe. Et toi, ma gaillarde, file-moi mon dû. Oui. Acroyo obtient Carapuce. Non, pas de surnom. Et voilà, on a notre Carapuce niveau 10. T'es sérieux? W. T. F. Le truc, il est niveau 10, alors que je vais être au minimum niveau 25 pour battre le Major. Bon, ben j'ai idée que la prochaine fois, ce sera du level up sur le Carapuce. Encore faut-il que je trouve des Pokémon type roche, pas trop fort, ou des Pokémon type feu. Ça, ça va poser souci. Ça va poser un réel souci. Parce que les Pokémon type feu... ça court pas les rues, hein. Ce que je vais faire, je vais commencer par un switch. D'abord reclasser mes Pokémon. Bon bah Carapuce sera en premier d'office. Mince. Ouais, donc il la coupe lui. Or, il sera deuxième. Ouais. Ok. Bon, prends la bicyclette, on va continuer le chemin alors. Hein. Non, d'abord je dis des bêtises. Bon, un peu, c'est pas mal de stocker encore 2-3 bricoles. Je crois que je l'ai fait, donc... un peu de mémoire de poisson rouge quand il est tard et que... stocker... tonnerre, je vais la stocker en attendant. L'huile et l'huile max, je m'en sers jamais. Voilà. Faire des trajets au centre Pokémon plutôt que d'utiliser ça. Bon, ben maintenant on va pouvoir aller vers l'avant-ville ou Parmanie. L'avant-ville, j'ai envie. Parce que Parmanie sera bloqué par un Ronflex, donc il faut que j'aille à l'avant-ville. Oh, mais là je pourrais peut-être entraîner le Carapuce. Ouais. Bon, on va commencer l'entraînement de Carapuce alors. Ouais, il t'a piqué en creuse ce tunnel, il va trop mal à Jadiel. Ouais, mais je m'en fous. C'est juste pour entraîner mon Carapuce. Donc on va faire un petit entraînement ou deux de Carapuce, voir ce que ça donne. Topiqueur. Aïe. Attends, il est niveau 10, hein, je tiens à dire, donc... niveau 10 contre niveau 15, c'est un peu déloyal.
Et premier combat avec Carapuce terminé et réussi. Et bien les amis, sur cette belle petite musique, je vous remercie de m'avoir suivi. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir parce que moi ça prouve que vous aimez ce que je fais. Et au moins ça popularise un petit peu la chaîne et ça la fait connaître un petit peu plus. Plus il y a de vues et plus il y a de j'aime, plus je suis un peu plus connu. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne si vous connaissez des gens qui aimeront ce que je fais. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça me fait de la pub. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ciao ciao.